La vérité que nous devons enfin en appui à notre demande, c'est que notre pays voit grandir en lui, alors que la perte de confiance des citoyens s'accuse vis-à-vis des institutions et vis-à-vis des hommes qui les animent. Des instincts populaires de prédation gratuite ou vengeur qui se combinent de plus en plus à des relents régionalistes. Il faut éteindre au plus tôt ces mèches quasiment mises à feu. Voici un extrait de la lettre adressée au président du FASO le 6 juin 2008 par l'homme visionnaire aussi bien pour l'Afrique, pour la sous-région que pour le Burkina Faso, Maître Herman Yamiogo, président de l'UNDD, Union Nationale pour la Démocratie et le Développement. Déjà en 1994, il prônait un nouveau mode de gestion de nos États dans son ouvrage « Repenser l'État africain, ses dimensions et perspectives » publié aux éditions L'Harmattan. Pour lui, le salut de l'Afrique se trouve dans une intégration véritable. C'est notre période, elle est très spécifique. Elle pose des défis globaux qui s'intéressent non seulement à nos États, mais à l'Afrique et au monde entier. Quand on prend la question de la pauvreté, quand on prend le problème de l'emploi des jeunes, le sida, il y a tout un tas de problèmes, la sécurité, le terrorisme. Aucun État seul ne peut y faire face. Alors de plus en plus, on demande une mutualisation de tous les efforts au plan sous-régional, au plan international. Il faut qu'en conséquence, on aille vers une réforme de nos institutions pour transférer des compétences au niveau supranational afin d'être en mesure de faire face collectivement à ces défis-là. Voilà pourquoi nous disons qu'il ne suffit pas d'engager des réformes en interne. Il faut voir aussi que dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, on a besoin de mieux s'organiser, d'aller vers un ordre public supranational qui nous mette plus à même de défendre ces défis globaux. Cette vision de Maître Herman Yamiogo est partagée par son parti. Voilà maintenant plus de 5 ans que l'UNDD appelle les femmes et les hommes du pays des hommes intègres à une refondation pour plus d'ancrage de la démocratie au Burkina Faso, proposant ainsi des réformes au plan politique, économique et social. Pour le parti, il faut casser l'illusion qu'un parti peut se constituer et résoudre tout seul tous les problèmes du Burkina. Seul un pacte transpolitique pourra s'attaquer de façon efficace aux maux qui minent la société burkinabé, le pacte transversal. L'UNDD a toujours considéré que la démocratie avait besoin d'être repensée. Quand on considère ce mode de gouvernement à l'époque de la Grèce antique, quand on voit comment elle a été mise en œuvre à travers toutes les révolutions démocratiques, 1789, 1848, etc., on se rend compte que le monde a évolué et que de plus en plus, on ne peut plus se satisfaire d'une démocratie construite sur le binôme majorité-opposition. C'est-à-dire selon l'idée que the winner takes all, le gagnant prend tout et laisse celui qui a perdu attendre 15, 5 ans, 10 ans pour revenir encore à la charge. Nous avons des défis qui se posent à tous. Nous avons des problèmes qu'aucun parti ne peut résoudre tout seul. Il faut évoluer vers peut-être le partage, un partage du pouvoir pour nous mettre beaucoup plus à même de régler nos problèmes. Donc nous avons pensé à la démocratie consensuelle. Donc le pacte transversal, c'est un instrument, c'est un mécanisme qui permettra de mettre en œuvre cette démocratie consensuelle. Il fait appel à toutes les structures partisanes de la société civile, en dehors de leurs considérations partisanes, idéologiques, sectorielles, pour qu'on voit les priorités du moment. Qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour avancer dans la problématique de la santé,
de l'éducation, des infrastructures, l'emploi des jeunes. Voilà la priorité actuellement. Et nous en parlons avec insistance parce que nous voyons que de plus en plus de pays se rendent compte et d'acteurs politiques que hors cette espèce d'union sacrée, il est difficile de faire face aux problèmes du moment. C'est le cas de la France avec Bayrou, avec De Villepin, qui en sont à dire qu'il faut le consensus, il faut privilégier l'union sacrée pour faire face à la crise de l'euro et partant encore plus à la crise mondiale. La position de l'UNDD est claire. Il faut garder la flamme du retour à la constitutionnalisation de l'alternance, mais en même temps, lutter pour prendre des mesures conservatoires qui atténuent l'impact du trop-plein de pouvoir donné à l'exécutif et contre le risque de dérive monarchique qui en découle. Vous savez, nous avons constaté depuis quelques années que dans bien des secteurs de la vie nationale, il y avait des phénomènes récurrents de manifestations et souvent violentes. Nous avons cherché à étudier pour en savoir le pourquoi. Nous sommes rendus compte qu'il y avait une insatisfaction des Burkinabés par rapport au fonctionnement d'abord des institutions. Un mécontentement par rapport à la politique, par rapport aux institutions. Ils ont constaté qu'il y avait comme une désharmonie entre gouvernants et gouvernés et que les institutions qui sont censées fonctionner en synergie étaient souvent contradictoires. L'Assemblée vote des lois que l'exécutif n'arrive pas à appliquer, bon, le judiciaire pédale à vide. Donc tout cela a amené les Burkinabés, organisés ou non, à estimer qu'il fallait réformer les institutions, qu'il fallait entrer dans un processus, une dynamique de refondation. Au-delà de la question, au-delà de la sphère politique institutionnelle, nous avons assisté aussi à des actes de prédation dus à des mécontentements au plan social. Les Koundés, les révoltes sur les casques, tout cela, les révoltes sur la faim, témoignent de ce que les Burkinabés se sont sentis quelque part délaissés pour compte de la dynamique de croissance. Et tout cela nous a amené à dire qu'il était temps de s'arrêter, de faire une pause, une réévaluation pour repartir sur de nouvelles bases. Le seul espoir qui nous reste, ce sont les réformes vu la situation qui prévalait dans le pays. L'UNDD n'est pas partie prenante aux élections présidentielles d'octobre 2010, mais saisit l'occasion pour faire le tour du Burkina Faso, visitant 10 familles par province, avec pour objectif non seulement de faire comprendre son option et de susciter l'engagement des populations pour des réformes visant à mettre en place des institutions solides, mais aussi de recueillir leurs propositions et leurs attentes. Les populations ont très bien réagi et pour toutes les localités où nous sommes passés, les populations sont sorties massivement pour venir nous écouter. Et donc, on a la tournée, en tout cas la tournée à laquelle moi j'ai participé, c'est un peu dans la zone de Pau et Combisri. En allant, en tout cas, les populations sont sorties très nombreuses quand on leur expliquait pourquoi on était là. Pour nous, ces élections 2010 là, c'était une perte de temps, de ressources et d'énergie pour des résultats connus d'avance. Parce que lorsqu'on part à des compétitions, on part avec des chances de gagner. Lorsqu'on sait qu'on peut gagner, là on peut aller. Mais lorsqu'on sait que les dés sont pipés et qu'il n'y a pas d'issue et que le gagnant est connu d'avance, pour un parti d'opposition qui a les moyens limités, ce n'est pas la peine d'aller raconter des histoires aux populations, à ses militants. Ce n'est pas la peine de faire croire à ces vaillants militants que nous pouvons gagner cette présidentielle. Ils vont laisser leur travail, ils vont y mettre leurs maigres sous pour des résultats connus d'avance. Donc nous avons voulu être conséquents avec nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas faire croire ce qui est impossible. Nous, à cette période, nous pensons que ce n'était pas possible, étant donné les données, de remporter les présidentielles face à Blaise Compaoré. Pourquoi? Parce que le système électoral mis en place était plus ou moins biaisé. Vous avez vu, il a fallu que des représentants de l'OIF viennent ici au Burkina Faso pour dire que le fichier était plus ou moins merdique, qu'il n'y avait pas de fichier. Une chose que nous disons depuis longtemps, si le fichier n'est pas bon, s'il n'existe pas, il n'est pas fiable. Vous avez vu comment ça s'est passé aussi au Burkina Faso? Avec plusieurs pièces, on s'inscrit. Avec plusieurs pièces, on peut aller, les gens peuvent avoir plusieurs cartes pour voter. Tout le processus électoral en amont et en aval était mal fait. Donc face à ce constat, nous avons dit non, on ne peut pas aller à ces élections parce que nous savons que ça ne va pas. Donc nous avons plutôt appelé les gens à réfléchir sur des réformes sur notre processus démocratique.
Nous avons appelé les gens à dire non, ce n'est pas la peine de vous précipiter pour les élections. Retrouvons-nous ensemble, faisons le bilan de notre processus démocratique. Voyons qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce qui ne va pas. C'est à tous les niveaux. Et essayons ensemble de trouver des mesures de manière consensuelle pour remettre notre démocratie sur des rails. Il fallait des réformes. C'est ce qui nous a amené à conduire dans les 13 régions encore pour dire aux gens pourquoi nous n'allons pas aux élections. Et nous n'avons jamais invité nos militants à voter pour qui que ce soit. On ne part pas aux élections, on ne soutient pas un candidat aussi. Voilà ce qui nous a motivés à aller dans les 13 régions encore pour dire aux gens, nous ne partons pas, nous ne soutenons pas quelqu'un. Ainsi donc, de Dori à Banfora, en passant par Ouagadougou et Koudougou, de Dédougou à Fadangourma en passant à Zinyaré, les cadres du parti ne ménagent aucun effort pour prêcher réforme. 13 conférences régionales sont organisées dans tout le Burkina Faso. Des slogans tels que « La refondation pour restaurer la confiance », « La refondation pour un vrai pouvoir démocratique », « La redistribution des pouvoirs et des richesses par la décentralisation et l'intégration », « Un revenu minimum pour chaque famille » sont lancés. À cette époque, pendant que les gens faisaient des campagnes disant qu'ils allaient occuper Kossiam, nous avons pris le soin de sillonner les régions pour aller rencontrer les populations, pour les parler, pour les dire qu'à l'état actuel du processus démocratique là, s'impose la nécessité de réformes consensuelles. Nous sommes allés vers nos bases, dans les secteurs, dans les villages, les parler de réformes, écouter leurs préoccupations, sans recenser cela, documenter cela, repartir vers ces bases pour les proposer les axes de réformes que le parti était plus ou moins à même de proposer si un dialogue inclusif avait lieu. Donc, toutes les régions ont été plus ou moins visitées. Et pendant que les gens parlaient des présidentielles, nous parlons de la nécessité d'approfondir la démocratie à travers des réformes consensuelles. Parce que nous savions que ça n'allait pas. Parce que nous savions que les populations de plus en plus se désintéressent de la vie politique nationale. Parce que nous savons que la participation citoyenne est plus ou moins en deçà des attentes. Parce que nous savons que plus en plus les populations n'ont plus foi en ces acteurs politiques. Donc notre devoir, donc, c'était de sonner le signal d'alarme pour qu'ensemble nous arrêtions pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Entre-temps, les élections passées sans réforme entreprise, les élèves entrent dans une colère dans le premier semestre de 2011 suite à la mort d'un de leurs du nom de Justin Zongo à Koudougou. Dans presque toutes les régions du Burkina Faso, ils s'attaquent aux symboles de l'État. Les militaires entrent aussi dans la danse suite à l'incarcération de deux d'entre eux. La crise se généralise. Nous étions en réunion, il y a eu des coups de feu. Nous avons donc écouté la réunion. Et Salif, en rentrant, a été arrêté par un groupe de militaires qui sont rentrés dans son véhicule avec leurs armes, qui ont commencé à tirer par les fenêtres et qui l'ont obligé à parcourir pratiquement Ouagadougou jusque je ne sais pas où, en tirant en l'air et tout. Bon, il a fallu que lui aussi il soit très diplomate et qu'il leur explique qui il était, responsable de l'UNDD, pour que, à un moment donné, ils acceptent de libérer. L'UNDD, attaché fortement à la paix sociale, lance le concept de la trêve patriotique et civique. Cette trêve, nous l'avons demandée quand ce pays était en pleine crise et quand tout le monde était pratiquement en danger. Nous l'avons demandée afin de restaurer ce pouvoir de l'État, afin de permettre aux populations de redonner leur confiance à l'État et d'attendre dans la sérénité que des changements arrivent sans passer obligatoirement par la violence. C'est pour ça que nous avons fait appel à Maker. Parce que Maker, pour nous, c'est un symbole. C'est un symbole. Le président Maker est celui qui a mis en ballotage un président qui était à l'époque au pouvoir, qui n'a pas appelé ses partisans à mettre le pays à feu et à sang quand on a donné les résultats du deuxième tour et qu'il avait perdu. Pour nous, Maker, le président Maker est un homme sage qui a toujours mis l'intérêt de la nation au devant des intérêts particuliers.
des partis politiques pensant le vent de la révolution arabe arriver au Faso, appelle le peuple à une grande marche avec comme objectif le renversement du régime. Une fois de plus, la voix d'Herman Yamiogo retentit. Ce n'est pas le moment, prenant le temps de la réflexion et de l'organisation. Et il avait encore raison. Cette marche se traduit par un fiasco cuisant. On ne peut pas gérer un pays dans lequel l'autorité même de l'État n'est pas respectée. La crise sans précédent va cependant accélérer le processus qu'avait accepté d'enclencher le président du Faso dans son discours à la Nation le 10 décembre 2010. Nous avons applaudi, hein, parce que d'une part, c'était comme si on nous avait entendus. Ça faisait déjà 3 à 4 ans que, de façon itérative, nous revenions sur le sujet, au niveau de l'UNDD comme au niveau des refondateurs, alors que le chef de l'État a estimé nécessaire d'appeler tous les Burkinabés à faire une pause pour réfléchir sur les réformes, c'est qu'il prenait quelque part en compte un peu nos préoccupations. Le 23 juin 2011, Luc Adolphe Thiaw, Premier ministre, installe les 68 membres du Conseil consultatif pour les réformes politiques CCRP. Ces 68 membres proviennent des formations politiques, de la société civile et des structures religieuses et coutumières. L'UNDD, fidèle à ses idéaux, à sa volonté permanente de réforme, est au rendez-vous. Nous avons, depuis 4 ans, 5 ans, nous ne parlons que de réforme. Nous ne parlions que d'un cadre où tous les acteurs de la vie politique pourraient se retrouver pour échanger sur le processus démocratique, pour faire des propositions de réforme. Lorsqu'on nous a plus ou moins approchés, nous n'avons pas manqué de répondre positivement. Parce que pour nous, l'UNDD, partout où nous sommes capables de faire passer nos idées, de faire passer nos propositions, nous allons les saisir pour parler. Parce que nous ferons mieux parler que de se taire et que demain, nous serons tous globalement responsables de ce qui se passe. Le CCRP se tient du 23 juin au 14 juillet 2011. Les délégués de l'UNDD participent au débat. Jusqu'à leur fin avec des propositions concrètes devant permettre de stopper l'élan à la monarchisation du pouvoir et à la patrimonialisation de l'État, et ce malgré le décès de l'épouse de son leader, Marie-Claude Yamiogo, intervenue dans des conditions troubles le 27 juin 2011. Elle, qui d'ailleurs soutenait son époux dans son combat politique. C'était une femme extraordinaire, une femme, je peux dire la force. Notre force organisée, c'était elle. Marie-Claude croyait aux réformes, comme nous tous. Et c'était tout à fait logique qu'on continue le combat, toujours en ayant à l'esprit que c'est ce qu'elle avait voulu. Dans tous les secteurs de la vie nationale, nous avons fouillé et nous avons fait plusieurs propositions. L'amnistie, par exemple, a été proposée par notre parti. C'est un exemple. Nous sommes partis de manière désintéressée avec deux conditions qu'on a posées. Première condition, les décisions se prennent par consensus. Parce que nous ne voulons pas aller être noyés dans un brouhaha là-bas. On nous impose des choses, nous ne sommes pas d'accord. Deuxièmement, l'article 37 n'est pas question de toucher à cela. Parce que c'est sacro-saint. Pour nous, il ne faut pas toucher à cela. Si ces deux conditions sont respectées, nous allons aux consultations, au débat, aux assises. Si ce n'était pas accepté, on n'allait pas nous voir là-bas. C'est parce qu'on a eu des assurances que nous sommes partis. Et là aussi, on a dit ça à nos partenaires de l'opposition, venez, allons-y ensemble, parce que nous savions qu'on ne va pas toucher à l'article 37. Nous savions qu'on ne va pas toucher à l'article 37. Donc, si on était plus nombreux, ça allait encore amplifier la voix de l'opposition dans le cadre de la consolidation de la démocratie. Au niveau de la cheville traditionnelle, c'est ça. Nous aussi, on nous a proposé un statut clair et net. Option nette, un chef traditionnel ne fait pas de la politique. Nous sommes d'accord qu'on les trouve un statut, mais la vie active politique là, il ne le fait pas. S'il veut le faire, il enlève son chapeau, il pose son chapeau, il est citoyen et il est dans la politique. Mais il n'est pas question qu'un chef traditionnel utilise ses attributs de chef, son bâton, son bonnet, pour essayer d'orienter les votes des populations. Sans cela, donc, nous ne sommes pas d'accord. Donc, il y a des éléments sur lesquels nous avons été plus ou moins pertinent. Au niveau du partage des richesses du pays, on a encore dit, comme je le répète, il y a la pauvreté s'accentue, il y a le mécontentement, les jeunes n'ont pas d'emploi, la vie est chère, alors qu'il y a une minorité qui ne fait que s'embourgeoiser. Il faut qu'on fasse attention pour démocratiser l'économie, que l'économie, le monde des affaires ne soit pas seulement dans un cercle restreint de minorité. Il faut qu'on démocratise, on décentralise,
les marchés publics, que les PME partout puissent avoir des marchés publics, que la jeunesse puisse être employée, responsabilisée, hein, qu'elle ait sa place à tous les niveaux de la société. Tous, on a fait des propositions pour le genre, c'est pareil. On se bat pour le genre, que la femme occupe la place qu'il faut à tous les instants dans ce pays-là, qu'elle ne soit pas seulement un instrument ou une personne pour voter. Non! Qu'on sache aussi que c'est une partie intégrante de la population, elles sont majoritaires et qu'elles ont le droit d'occuper des postes de responsabilité à tous les niveaux. Au terme de ces consultations, 80% de ces propositions sont acceptées par le CCRP. Pour ce qui est de la question épineuse de l'article 37 dont le parti prônait la non-modification, 3/4 des participants sont de ce point de vue une fois le rapport général du CCRP déposé. L'UNDD reprend encore son bâton de pèlerin pour la restitution des conclusions des travaux du CCRP aux populations dans tout le Burkina Faso. Avant d'aller au CCRP, nous avons été déjà faire une campagne de sensibilisation pour parler des réformes. Et les militants nous ont félicités d'avoir eu l'idée de proposer des réformes. Donc, après le CCRP, il était tout à fait normal qu'on retourne aller le rendre compte. Évidemment, c'est assez coûteux, mais nous nous sommes forcés d'aller le faire pour quand même dire aux militants que nous agissons sur ce qu'ils savent, parce que nous ne faisons pas tout à leur place. Avant d'aller, on les a rencontrés et après, nous sommes allés le rendre compte. Les populations sont en accord avec les points de vue défendus par le parti à ces consultations et réitèrent leur refus à la modification de l'article 37 dans le cadre des assises nationales annoncées. Nous, on ne fait jamais quelque chose sans associer notre base, notre population. Avant d'aller, on est parti les consulter. On est parti les écouter. Les propositions qui sont sorties là, la base est au courant, les militants sont au courant. Dans tous les villages, tous les départements du Carrego, ici, moi, j'ai fait une tournée. Après les assises régionales, encore, j'ai fait une réunion. Pour rendre compte. Voilà ce qui s'est passé au niveau des assises régionales. Voilà ce qui a été retenu de manière consensuelle. Voilà les éléments sur lesquels on n'a pas été d'accord. Et la population a marqué son accord. Elle n'est pas pour qu'on touche à l'article 37. Elle veut que ça soit verrouillé, qu'on ne puisse pas permettre à quelqu'un de renouveler ad vitam. Elle n'est pas d'accord. Les 7, 8 et 9 décembre 2011, les forces vives de la nation sont encore conviées pour des assises nationales pour échanger autour des conclusions du CCRP. L'UNDD est encore là, toujours guidée par la conviction que seules les réformes peuvent sauver le Burkina Faso. Les travaux dans l'ensemble se sont bien passés dans la mesure où nous avions eu la prudence de faire en sorte qu'il repose sur le primat du processus. Nous avons estimé que, ensemble, dès lors qu'une partie émettait un avis négatif par rapport à une question, elle restait en l'état. C'est ce qui nous a permis d'avancer et de laisser en l'état des questions sensibles comme l'article 37. À partir du moment où, contrairement à ce qu'une opinion laissait entendre, que nous étions tous là, partie liée, pour déverrouiller l'article 37 et permettre à Blaise de se présenter autant qu'il le veut, ça n'a pas été réalisé. Bon, c'est un succès. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que dans bien d'autres domaines, il y a eu des avancées par rapport à la répartition, à l'organisation des pouvoirs même de l'État. Donc ça, ce sont des choses qui ont été quand même de bonnes choses. Ce sont des acquis des assises. Après les propositions consensuelles déposées entre les mains du président du Faso pour mise en œuvre, le parti de la Panthère prévient. Sans exécution rapide et conforme, le pays risque de replonger dans les contestations douloureuses et orageuses. Nous attendons parce que à la clôture des travaux, il y a eu comme un transfert, comme un mandat qui a été donné au chef de l'État parce que pour la mise en œuvre, il a été décidé de s'en remettre au chef de l'État. Donc c'est ce que nous attendons. Il a comme actuellement une obligation de résultat parce que le travail n'a pas été fait pour qu'il en use à son bon entendement. C'est pour qu'il voit les soucis des Burkinabés. Ces soucis ont été exprimés, c'est à lui maintenant de les mettre en musique. C'est bien d'être allé aux réformes, c'est bien d'avoir pris des décisions là-bas, mais il faut aussi les appliquer. Parce que si on ne les applique pas, ça ne servira à rien. Le congrès du 14 janvier 2012 en reprend la mise en garde à la volée. Le parti a prévenu. Il a agi sur le terrain en mouillant la chemise pour le retour à la paix. Il n'a pas fait que critiquer, il a proposé. Mission accomplie, pourrait-on dire.
demain. Si à Dieu ne plaise, la déception fait suite à des réformes alambiquées et tronquées, on ne pourra pas dire que le parti de la Panthère n'aura pas courageusement tiré la sonnette d'alarme et esquissé des voies. Donc, on a fait une multitude de propositions et nous souhaitons que la majorité vraiment se penche sur la mise en œuvre diligente de ça. Parce que plus on attendra, plus les gens vont penser encore que c'est de la loupardise. Alors que le mécontentement est latent. Les gens se sont abstenus pour voir qu'est-ce qui va sortir des assises là. Est-ce qu'on pourra quelque chose de bon à sortir? Le peu qu'on a eu à faire sur une sortie là, il faut que vite nous mettions en place pour le mettre en œuvre. Pour montrer aux populations que quand même le processus est engagé. Même si ce n'est pas tout qu'on a plus ou moins balisé, au moins la volonté y est et qu'on a commencé à poser des jalons pour une meilleure démocratie au Burkina Faso. Quand on voit Ouagadougou, quand on voit certaines villes moyennes, certaines artères, on se dit qu'il y a eu des réalisations. Parce que physiquement, il y a de belles maisons, il y a des immeubles, il y a des routes. Et l'étranger qui a fait peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans sans venir au Burkina Faso, en Haute-Volta, quand il arrive, il est émerveillé. Il y a une richesse qui a été produite, qui s'est transformée vraiment de manière visuelle. Mais il faut reconnaître que cette richesse n'a concerné qu'une minorité. Une minorité de Burkinabés. On parle aujourd'hui d'émergence, nous tapons à la porte des pays émergents. Si cette émergence doit se réaliser pour 2%, 3% de la population, alors que tout le reste est au bord de l'immersion, ce n'est pas intéressant. Donc il faudrait faire de cette nouvelle année une année de partage. Voir comment on peut arriver à mieux partager les fruits de la croissance. Cette croissance qui est estimée à 5%. Ça montre bien que le pays produit, qu'il avance. Mais d'où vient alors que tout le monde ne sent pas que le pays avance? Donc il y a une question de répartition qui se pose actuellement. Donc mon souhait, c'est surtout que les pouvoirs s'arrêtent un peu, fassent une pause et mettent l'accent sur cette répartition de la richesse. Car la pauvreté, elle sévit, elle fait en sorte qu'il y a une volonté de revanche, de prédation qui gronde dans le cœur des populations. Et à Makère Ouédraogo d'ajouter.